sikawate. Bandoki bata de sikawate. Soroka eza de sikawate. Kuya tabo kuya mokili na bolili e koronga wate. Tonda tola kuya Yesu Kristo. Zambe akamba kati de sikoyo. Nyoto ya milimo mabe. Epi mamo sika de sikoyo na kongora Yesu Kristo. Tonde. Seigneur. Tonde nani soroka. Tonde nani moto. Tonde nani milimo nyoso ya kata.
Pour Jésus-Christ, on a commis ça. Hein? Babé, tu m'as dit. Babé, dis bien. Babé, dis qui t'en fout. Pour la commis ça. Vous avez dit que mon bon agent, le capoton, on va couper. Vous imaginez ça? De la vie, votre bon bon bon, à télé, à quoi il y a couche? Ah, ou à côté, à quoi couche? Hein? Vous avez couche à terre. Ah, ou à. Et vous m'y avez bon. Nadira, il y a un papé, Nadira, le sang. Monté, il y a tant de quoi couche à terre. Moyen de pire pour faire. Diacre a beaucoup fait. Yopo beaucoup fait. Ti, ton coquette, a tué la fraternité, merci. Hein? D'abord, il s'en va pour. Bâton, ma tomation, mon abandon, parce que mon abandon, mi. Il y a un gens qui ont mis sa main à mon pied, à mon lit contre mon salaire. Mim. Zanda a mis sa main pour combattre la bassaline. A combattre la bassaline, 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 la Soki, soki, l'itama mongo et zaraki, zabata ici à l'eau pour les pauvres, donc il va m'en être, basan à ma compité, ma maman a lui laissé pour moi. Hein? Et c'est pour moi. Vous avez dit, na 2001, balasou kakamorate yawa la poste. Et dans la cabane, il y a un côté à terre, il y a un poufa, il y a un gros. Mon doigt a un poufa. Amen. Mon doigt a un cabane, il y a tout. A tout, il y a un poufa, il y a un témoignage. Il y a un poufa, il y a un poufa. Quand vous connaissez un temps, vous montez à Zoya, à Patana, à Esplanade, à Wana. Après, nous avons fait la circulation. Nous sommes en train de quoi? Donc, nous avons fait la circulation. Et nous avons fait la circulation. Si nous avons fait la circulation, nous avons fait la circulation. 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 Ma partie, ma compagnie, a mis à lui retrouver dans l'hôpital. Ma compagnie, à son moment, va monter dans l'hôpital. Malade, malade, malade. L'hôpital, il faut que tu aies dans mon village. Non, pas dans ma compagnie. Il faut qu'on aille dans mon village et tu aies qu'à passer dans l'hôpital. L'hôpital, il faut que tu aies dans l'hôpital et tu aies toujours. Aïe, 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 mimi, n'a pas beaucoup froid. Beaucoup fatigué. Père, n'a pas beaucoup froid. Mimi, hôtel. Papa, il y a un peu de sang. Il y a un peu de salaire, il y a un peu de salaire.
Amen. Batango yaka izalaka
Lorsque le combat surgit, c'est pour que le Seigneur exerce cela. Nous avons un texte dans l'histoire de Josué 14, d'abord par la grâce de Dieu. Nous allons prendre notre texte dans Josué 14 par la grâce du Seigneur. Josué 14, verset 8. Josué 14, verset 8. Tire le verset 13. Jusqu'au verset 13. Nous autres avons un Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué. Bana Yayuda va pousser qui paroche. À Gilgal. Mamboka Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné. Et Caleb, Wanamobani à Jephunné. Les Kénésiens lui dit. Moïkenaz a émissié. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel. Mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse gira en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici. L'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit. Il y a 45 ans. Que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué béni Caleb, fils de Jephunné. Et il lui donna Hébron pour héritage. Et Dieu bénisse les lectures pour ça. Notre grâce aussi, c'est que mon corps a quand même à comprendre l'enseignement dès que vous allez écouter. Et que chacun de nous comprenne l'enseignement comme nous sommes en train de prêcher. Parce que le salut, le Seigneur a tiré à mon enseignement. Parce que le Seigneur a placé le salut dans l'enseignement. Selon 1 Corinthiens 1. Selon 1 Corinthiens 1. Au verset 21. Au verset 21. On a Isoloba, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Le Kulamokili n'a pas rien à vous et il nous a bêté. Il a pris à Dieu de sauver les croyants. Et c'est Félicine Zambé Kobi qui s'abandonne par la
de la prédication. Nanzela y a lité à eux aller au cours la libouma. A tia sali dans l'enseignement. Le Seigneur a placé les saluts dans l'enseignement. Il faut savoir la prière. Il faut toujours faire la prière. Oui, on est mes collègues. La plus grande prière. Les anzans besunganga inandimaka lité à l'okutate. Mais que le Seigneur aide-moi à ne pas croire à la fausseté ou son sanga inasosona pas où ils ont bien. Aide-moi à comprendre ce qui est bon. Et ça va te battre, ma belle, on dit. Que ça ne soit pas la comprêche mal, tu acceptes. Ma lame, on dit. Et qu'on prêche mal, tu acceptes. Voir les a au clocher les deux côtés. Voir les a ni kominga la manga ou ni balé. Que le Seigneur te fasse vraiment comprendre la parole, c'est très important. Et logo et ça va dire que Israël a salué Natamana Jésayaki. La chose qui avait fait qu'Israël manque le salut du temps de la venue de Jésus. Et ça pour nous avoir privé la compréhension. C'était parce que le Seigneur lui avait privé la compréhension. Le Seigneur lui avait privé la compréhension. Parce qu'il déjà prophétisé dans le livre d'Isaïe. Parce qu'il l'avait déjà prophétisé dans le livre d'Isaïe. Pourquoi Israël a sali dans le temps? Pour qu'Israël soit privé du salut en ces temps. Il y a des problèmes il y a pour comprendre. Enseignant. Il y a qui est en train de se soulager là, qui s'est entouré. De la même manière, ceux-là qui nous entourent. Bazali, Bazali, ils ont aussi leur manière de marcher dans leurs églises. Oye, Bazali, ça, Bazali, Bazali, conformément avec la parole. Ce qui va leur priver le royaume, ceux-là qui ne marchent pas conformément à la parole. Ils ont une fausse interprétation. Ils ont dit, Molaï, ma paix. Lorsqu'ils interprètent mal la parole, ils manquent de comprendre la parole. Et ça c'est pourquoi je m'adresse à toi. Si tu écoutes la parole, tu rentres à la maison. Si tu l'avais enregistré, écoute encore ton enseignement. Moi-même, j'écoute plusieurs fois ce que je prêche. Il faut avoir l'habitude. Hein? Il faut aussi avoir cette habitude. Parce que même celui qui est Timothée. Parce qu'on avait dit à Timothée. Ben, c'est ton enseignement. C'est chez la Nicolalité alors. Et c'est toi-même aussi. C'est Nicolas à Pomoï alors. Celui qui monte à ton bon ami. Si Timothée lui posait la question, pourquoi? C'est pour que tu sois sauvé toi-même. Et sauvé aussi ceux-là qui t'écoutent. Donc, un prédicateur veille dans l'enseignement. Un prédicateur veille sur son enseignement. Ce qui était enseignant. Si par exemple il avait enseigné. A trouvé qu'il et qu'il avait dit quelque chose qui n'est pas conforme. Un bon frère à Kuzonga. Comme un bon frère, il va retourner. Qu'il tue Koya. Au culte prochain. Et puis il l'enlève. Parce qu'on a dit qu'il faussait. Parce que s'il laisse demeurer la fausseté, il va perdre son propre salut. Mais avant de l'envoyer, il gêne. Il le voit comme une blague. Parce qu'il faut veiller l'enseignement, c'est ça la vie. Oui, tu es le seul qui a signé le bon mot. Si tu veilles l'enseignement, si tu ne veilles sur l'enseignement, même celui qui le reçoit comme une fausseté, il n'y a point de vie en lui. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, dans la zone commune. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 2 lorsqu'il écrivait. Lorsque j'étais venu au milieu de vous, je n'avais pas cherché à connaître autre chose. Jésus-Christ, je cherchais à connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ a battu les coulisses. Alors, lorsque j'étais venu au milieu de vous, j'étais dans la crainte et le tremblement. La crainte, pourquoi? Parce que nous avons un peuple acquis par le sang de Christ. Oui, que nous avons dit, mon Dieu, son mari va maquiller à Christ. Un ministre respecte l'auditoire. Montez à tous à la bâton à l'Igoma. Alors, il n'importe quoi, tu es devant la chaîne. Il ne dit pas n'importe quoi, Dieu de la chaîne. Il dit que c'est un peuple acquis par le sang de Christ. Il connaît qu'à ce moment-là, il monte son mari à maquiller à Moukouya. Et quand Paul a dit qu'il y a un respect, il peut être en lui.
Et Paul s'est rendu à l'église de Corinthe avec beaucoup de respect et tremblement. Et c'est ce que le matin, on que le Seigneur a son ambition, ma casse dans l'assemblée des saints. Et ce que je souhaite, j'ai toujours prié que le Seigneur nous aide plus dans l'église des saints. Moi, beaucoup plus, je parle de l'église des saints, notre église. Qui parlera, je ne m'occupe pas d'abord des gens mineurs. Dans l'enseignement que je dispense, nous allons passer dans la ligne des Écritures telles qu'elles sont. C'est pourquoi nous parlons de toutes choses comme elle est. Aujourd'hui, c'est lorsque nous viendrons le voir dans l'aujourd'hui que nous ayons la facilité de comprendre ces choses. Et toujours, c'est pourquoi nous disons ceci. La chose avant qu'elle ne soit aujourd'hui, elle était d'abord dans ce qui a été. Maintenant, il dit une manière ou d'une autre manière. C'est ce que nous avons insisté à casser. Et nous avons dit même langage et enseignement à Christ et Jésus. On avait pris le langage de l'enseignement de Christ. Alors, que ce qui a été du temps de Noé. Arrivera de même à temps fils de l'homme. Comment taper la table à moi la moto? A l'obin à la vache à ce qui a été. N'a parlé de la vache là où est Salaka. C'est ce qui c'est. Nego et Kokomaka. Christ a prêché aussi comme ça. Christ a été un peu bon. Et même sa façon y a côté à l'obani à Jean 12. Et même dans sa façon de prêcher, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 12? Un autre témoignage. J'ai tâté mon soussou. Nathalie Jean chapitre 12. J'ai lu Jean chapitre 12. Verset 49. Le verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Oui, tu es dans l'obité, dans mais le Père, tata, qui m'a envoyé, oui, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. On m'a dit verset 49 et Jean 12. Vous voyez le verset 49 et Jean 12. Prescrire est en réalité au commun à l'avance. Donc, prescrire au commun à l'avance. Il a déjà préparé ces choses à l'avance avant que Jésus ne parle. Donc Jésus a montré que Jésus a montré que tout ce qu'il disait, tu peux les retrouver dans Moïse. Tu pourrais les retrouver dans le livre de Daniel. Ou même dans le livre du prophète Amos. C'est le Père qui a prescrit. Ça dit tata ne a comment tu as prescrit de pour l'amour. Et Dieu bénisse. Amen. Donc le dernier mot content aussi nos amis qu'on enseigne sur l'église. Et la même manière lorsque nous enseignons sur l'église. Il faut qu'on le cas, nous l'ayons à Tiaki Makamweta l'église. Il faut que nous cherchions comment Dieu avait classé les choses concernant l'Église. Yango et ya. Avant que l'Église ne vienne. Yango total Israël. C'est pourquoi on avait montré ceci. Ma carte à Colombanabison pour le dimanche. Dans notre exposé du dimanche. Nous avons dit texte pour total encore aujourd'hui. On a pris le texte qu'on a lu encore aujourd'hui. Josué chapitre 14. Josué chapitre 14. On a donc remarqué Caleb a poussé ni Pembe ni à Josué. Là-bas, nous remarquons Caleb qui s'est approché de Josué. Et a expliqué Josué situation non celui qui n'a Kadès Barnea. Et il a expliqué à Josué toute la situation passée dans Kadès Barnea. Dans Kadès Barnea, ils ont un nombre, chapitre 13. Kadès Barnea, c'est dans Nombre, chapitre 13. Un nombre 14. Et Nombre, chapitre 14. Nous avons dit l'écriture pour montrer ce que vous avez dit, on avait pris l'écriture pour montrer à quel temps ils étaient retrouvés à Kadès Barnea. Ce qu'on remarquait au Tami, en lisant, tant que Bazonga qui va vous dire espionné, Mboka. À leur retour de l'espionnage du pays, Ndegeba Kedaki 12, comme ils étaient allés au nombre de 12, et tant que Bazongi, et à leur retour, Yé Kaleb na Josué, va témoigner qui malam la parole, Kaleb et Josué avaient bien témoigné la parole, mais,
va décourager qui peut. Si va décourager qui peut. Yabonde a dit pour expliquer wana. C'est ce qu'il explique là. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les dix sont en abango et zaraki. La terreur des dix frères était que. Nous avons remarqué en bas. Nous la remarquons. La katia banayanak. Dans le fils d'Anak. Verset 33. Le verset 33. Il y a nombre 13. Nombre chapitre 13. Et nous y avons vu les géants. Enfant d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux des oleurs comme des sauterelles. Son amour mis les oreilles centrées sur les enfants d'Anak. Leur terreur ou leur frayeur était centrée sur le fils d'Anak. Parce que territoire ma coma qui les oreilles est grand. Parce que les territoires où c'était arrivé, c'était Anakim. C'était la terre qui appartenait au fils d'Anak. Mais Caleb a confessé qu'il a la foi. Mais Caleb avait confessé la foi. Alors même ici, Dieu nous est favorable. Il nous donnera ces pays-là. En nombre 14. En lisant nombre chapitre 14. Verset 9. Au verset 9. A déclaré pour Caleb dans Josué. On déclare au sujet de Caleb et de Josué. Cependant, ne soyez point rebelles. Contre l'Éternel. Pour la beauté de et ne craignez point les gens de ces pays. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont pris d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Mais ne les craignez point. Donc, Caleb n'a Josué va témoigner à la foi que pour moi victoire. Caleb et Josué avaient témoigné la foi qu'il devait remporter la victoire. Parce que l'Éternel a ça à voir. Parce que l'Éternel était avec eux. Sous les dix va décourager le peuple. Et les autres, les dix frères, avaient découragé le peuple. Et pour remarquer qui que le Seigneur. Et nous avions remarqué que le Seigneur a silica qui ces jours-là. Il s'était irrité ces jours-là. Se reparmine en nombre 14. En disant nombre 14. A déclaré qui que Batounion sur le bazar homme de guerre va aussi la nakata des frères. Il avait déclaré que tous les hommes de guerre seraient exterminés dans le désert. Dans une écriture, il y a verset 28. Le verset 28. Il y a nombre 14. Nombre 14. Dis-les. Je suis vivant. Dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous, dont on a fait le dénombrement. En vous comptant depuis l'âge de 20 ans. Et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire en habiter. Excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. On avait montré que c'était cela à eux que Dieu avait dit qu'ils entreront par rapport à l'âge qu'il avait donné. Parce que celui qui nous obéit, verset 29. Parce que si nous reprenons le verset 29, il y a nombre 14. Nombre 14. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Mais vous tous dont on a fait les dénombrements. En vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Donc châtiment en Zambé et Zara qui était bon à 19 ans. Les châtiments de Dieu ne concernaient pas ceux qui avaient 19 ans et en dessous. Mais c'est à partir il y a 20 ans. Mais c'était à partir de 20 ans et au-dessus. En fait, à 20 ans, Tilikolo ne va lui excepté Caleb et Josué. Parmi ceux qui avaient 20 ans et au-dessus,
on a mis quand même Josué à part. Mais par contre, au séjour là, va venir à 19 ans, 18, 17, tout ça, on est à moi. Bazali concerné était dans 14 ans de séjour. Mais ceux-là qui séjournent avec 19, 18, 17 n'étaient pas concernés par la colère de Dieu. Ma cambo est significatif. Et toutes ces choses ici ont un sens ou une explication. Mais c'est la raison dans un temps pour la main qui n'est pas au bon port. Mais j'aime lorsque je marche que je puisse t'amener au bon port. Et autant vraiment s'enseigner ton ami quand même bien par la grâce de Dieu. Et tu constates que l'enseignement est bien classé par la grâce de Dieu. Mais il faut y aller bah, en pensant. Mais tu vas savoir qu'en passant. Que le cambo est seulement qui la deuxième année. Que cette situation se passa à la deuxième année. Dès qu'Israël a l'opin qu'un moment, un chef retournant à l'Égypte. Israël avait dit tout ça pour qu'on dit tout ça dans les Égyptes. Cette année-là, il sera très significatif. Voilà tout le monde qui s'est dit la Bible. Il sera toute une personne dans la réalité. Il sera comme tout le monde qui m'a dit sur le camp. Christ Jésus. Christ Jésus. Vous en avez là? Vous suivez attentivement? Et ça a été. Donc l'année représente Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans cette année-là, la deuxième année. Et dans cette année-là qui est la deuxième année. Israël a rejeté la parole, la promesse. Israël avait rejeté la parole de la promesse. A dit lui aux hommes d'Égypte. Il a consenti de rentrer à l'Égypte. Donc Bagarali Kotal Israël. Donc il montrait. Cette année, Oya. Donc cette année-là viendra. Jésus-Christ sera l'année à grâce. Jésus-Christ a dit mon cou et a voulu. Mais à Tamboraki. Mais il avait marché. Nataoyo. Du temps où. L'année à loi pesa. L'année de la loi était encore. Maïeko Fomola Gota a mettre fin à la loi. Mais il avait inauguré lorsqu'il a mis fin à la loi. Il faut faire très attention. Tu dois faire très attention. Parce que même le Néga Tambola avec Israël. Parce que la manière dont il a marché avec Israël. Ils avaient mis temps à la loi. C'était le temps de la loi. Alors ça va poser grâce, grâce, grâce à la Tambola. Mais il faisait grâce à certains parmi le peuple. Pourquoi Nazolo Banabor, parenthèse, on a Fomboli. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Que l'année où Israël a rejeté la parole de la promesse. Que l'année pendant laquelle Israël a rejeté la parole de la promesse. Et quand il arrivé à personne à Jésus d'abord, il est mort au bruit. Cette année représente la venue de Jésus-Christ en chair. Et ça, boy. C'est comme ça. Là. Première année. La première année. Et ça, il n'y avait pas manqué. Il n'y avait qu'une seule Pâque qui était célébrée. Maintenant, deuxième année où Israël a rejeté. Maintenant, la deuxième année qui est l'année qui est Jésus. Sokotami en nombre 9. En lisant l'autre chapitre 9. À partir du verset 1. À partir du verset 1. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse. Yahweh a l'obé la Kina. Dans le désert de Sinaï. Dans la mission de Sinaï. Les premiers mois. Non, sans animation. Et la seconde année. Yah voulu tout mon goût et animalé. Après leur sortie du pays d'Égypte. Parce que ma bobine n'a pas bon à mon Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé. Les 14e jour de ce mois. Entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois. Et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Dans le verset 5e, il y a nombre 9. Le verset 5. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Remarquez le verset 6 et 7. Remarquez le verset 6 et 7. Il y a des hommes qui se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvait pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel? Au milieu des enfants d'Israël, Moïse leur dit,
chasse ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un homme ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Les 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Et là, on dit aux hommes et qu'est-ce que nous remarquons dans cette année? Dans la première année, au moment où il m'a dit la Pâque, la Pâque n'était célébrée qu'une seule fois dans cette année. Mais lorsque la deuxième année vient, on a deux Pâques. Cette année-là a deux Pâques en elle. Donc, quand on va présenter première Pâque, lorsqu'elle présente sa première Pâque, d'autres vont la rater. Mais il y a Pâques la même année. Mais ils reviendront célébrer la Pâque à la même année. C'est un autre témoignage, on a tout à l'heure, c'est bien, okay? C'est un autre témoignage où je vous montre. L'année à grâce est aussi la fête pour vous. L'année de la grâce ne va pas s'achever parce que tu râles. Israël ne va rater pas. Aujourd'hui, Israël rate la Pâque. Bisous aux hommes. Et nous, la Seigneur. Hier, ça est pur. Lui, il est impur. Mais Apollia, nous, toujours la même année. Mais Israël mangera de la Pâque toujours dans la même année. C'est la loi des dieux. Et ça dit, nous, maintenant. Quand on dit que, oh, enlève ça, il n'y a pas mis par tête. Ne pense pas que quand l'enlèvement s'accomplira, Dieu va fermer la parenthèse. Moi, les amis, commentaire à Bible. Là, ce sont les disciples de Scofield et les commentaires de théologiens. Là, bah, crampons, bah. Vous avez crampons. Oh, parce qu'on va la Bible déchiffrer. C'est qu'à chaque des Bibles qu'on explique des choses là-bas, les termes. Dans cette loi, n'a mon père raté premier pas. Ceux qui ont raté la première fois. Dans cette année, la deuxième année, à Polia Pâque, toujours la même année. Ils mangeront la Pâque toujours dans cette deuxième année. Il y a un moyen. C'est pourquoi il n'y a pas moyen que tu viennes te placer. Israël reçoit ma parole. Lorsqu'Israël reçoit la parole, la grâce était déjà achetée. Parce que la grâce était déjà portée. Écriture au fond d'âme. Cette écriture va t'accomplir. Vous allez traîner jusqu'à ce que vous allez échouer. Il y a un nom de Jésus à nos papas. Et c'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu 5. Alors, lui, son causant un problème dans mon tour. Alors, si tu as un problème contre ton nom, cherche par tous les moyens pour que vous soyez en train de vous devant le juge. Je ne veux pas vouloir parvenir jusque devant le juge. Parce que le juge va te condamner et tu paieras jusqu'au dernier. Il faut se poser une question. Il faut que tu te poses une question. Quel est cet homme avec qui on fait la marche, mais qui a toujours raison? Il y a un Satan à raison. Il y a quoi à tâter? C'est toujours nous qui avons tort et nous cherchons dans tous les moyens d'être en harmonie avec lui. Lui n'a jamais perdu. Si tu veux arriver jusqu'à la fin, on va condamner. Le juge va te condamner, toi seulement. Amen. C'est la parole. Les amis, il y aura. L'écriture sainte. L'iconie est sainte. Si l'écriture t'accuse, ils vont chercher ta harmonie. Avant qu'on en soit parcours, avant que tu arrives à la fin de ton parcours, parce que lui vaincra toujours. Elle sortira toujours vainqueur. C'est pourquoi lorsque tu fais route ensemble avec lui, sois toujours en harmonie avec lui. C'est très important. Les animaux, tout est à connaître. Il y a un autre qui est en saint. C'est ce qu'il avait dit dans Matthieu 5. Mais je vous dis qu'on en a parlé au verset 45 aujourd'hui. Même à partir du verset 45 que tu descends. Et avant la péché, déjà une pensée. C'est pourquoi j'ai déjà donné une pensée. C'est tout un enseignement. Et ça dit que l'acquisition de cette année-là, vous l'avez au courant. La honte est affiguée à Jésus-Christ. Dans cette année, représenter Jésus-Christ.
Jésus-Christ lui-même. Donc, dans Moïse, lorsqu'il est venu, Israël a rejeté la promesse. Israël a rejeté la promesse. Et quand il a rejeté la promesse, et lorsqu'il rejette la promesse, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va venir avec un nombre. C'est toujours comme il avait dit dans Nombre. Dans Nombre, toujours place pour ça, dans Nombre 14. Dans Nombre 14. Le livre 4 à l'Obaki Bosalem. Comme il avait dit ceci. Verset 34. Le verset 34. De même que vous avez mis 40 jours. Le livre Moko Bosaki Mikolo Tukumi. A exploré les pays. Pour la Kolonga Moka. Vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans. Moko Memaka et Tukumi Abambeba Napino Miku Tukumi. Voilà, dans un verset 34e, il y a Nombre 14. Là, je suis au verset 34 de Nombre 14. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ce sont des langages que beaucoup ont envoyé. Ce sont des langages que tu peux voir. Mais le Seigneur a des choses qu'il dit là. Maintenant, les ceux-là que tu vois comme des enfants ici dans le désert. Hébreux 4 est dans le désert. C'est Hébreux 4 qui. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Parce qu'il faut pas trop le bâtir. Parce qu'il faut toujours que nous puissions parler, c'est très important. Hébreux 4 maintenant. On va partir avec ces prénoms. Hébreux chapitre 4, on parle à partir du verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut aimer la parole. Et cela est très important, elle saura t'aider. Il y a Hébreux 4, mais nous allons voir. Écoute comment on dit Hébreux. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Voilà, verset 1er. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, il y a beaucoup de terre, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons crié, nous entrons dans les pots. Et Dieu bénisse. Amen. Vous remarquez que vous allez remarquer que il y avait des groupes. Il y en a qui n'a pas un groupe des enfants. Un autre groupe des adultes. En Nombre 14. En Nombre 14. Bah on va s'en aller qui va qui va connaître. Ça va qui va au côté. Le Seigneur avait dit qu'ils n'entreront pas dans le monde. Bah on a dit que Baptiste va lui va au côté. Tous les adultes qu'on avait privés, qu'on avait. Hébreux 4, les hommes et ma Israël. Hébreux 4, la même comme tout le peuple d'Israël. Bah on avait dit depuis 20 ans, qu'il connaît. C'est qu'on avait dénombré depuis 20 ans au-dessus. Bah on a nommé un verset de plus loin. C'est vous n'entrerez point. C'est avant le groupe Nyonso. Ils font tous ces groupes-là. Oui, c'est qu'il y a 6. Exterminé dans le désert. C'est le peuple d'Israël dans la réalité. Maintenant, nous parlons plus petit. Maintenant, les enfants qui étaient encore plus petits. On voit Jésus. Vous voyez Jésus. Il faut égaler ma maman, ça va commencer à être petit. Il faut savoir que tout ce que Jésus disait était écrit. À présentant le royaume, mais avant la patronne, il avait présenté le royaume pour ceux qui sont comme les enfants. Parce que dans le désert, parce que ceux qui étaient les grandes personnes, ils s'étaient opposés au Seigneur. Mais ceux qui étaient des enfants, on n'avait rien. Royaume.
croyants. C'était pour les enfants. C'était pour eux. C'est ce que Jésus répète. Ils allaient au Yesu, ils allaient pour parler à la malouane. C'est qui pour les enfants. Ils allaient qui pour la part d'amitié. Et il y a un Hébreu 4 pas au Lobéla. Et c'est ce que nous dit aussi Hébreu 4. Et l'Obéla, les autres, c'est qu'il t'a donné la deuxième année. Et c'est là l'âge lorsque tu prends la deuxième année. C'est quand Jésus-Christ a volé mon voyage. C'est lorsque Jésus-Christ lui-même est venu. Israël a rejeté. Nazor va bien. Israël a rejeté. J'ai dit bien. Yemoko Boye. Lui-même dans la chaîne. La seconde année. Asami Moukou Yami Mali. Ma formule qui a mon âme. Mais il ne l'avait pas encore inauguré. Azor formule à par les sangs répandus à la croix. Il inaugure par les sangs qu'il avait répandus à la croix. Et Dieu bénisse. Amen. Yemoko Azaki grâce. Yemoko Azaki Ngolo. Vous êtes en formule à mot. Par le sang. Mais il a inauguré par le sang. Il a répondu. Comme il l'avait répondu. Donc, dans l'année Yami Badé, la marche n'a pas eu. Dans la deuxième année pendant leur marche. Il va gagner, on les a deux fois Pâques. Sache que dans cette année, on célèbre deux fois la Pâque. Amsou a raté première Pâques. Les autres ont raté la première Pâques. Parce qu'ils sont impurs. En 1 Corinthiens 5. En 1 Corinthiens 5. Verset 7 et 8. Le verset 7 et 8. Et le dit Christ de notre Pâque a été immolé. Christ au passe dans la mission il y a tout fait. Maintenant, célébrons donc la fête. Nous sommes là et nous nous y a. Bisous, célébrons Pâque et nous. Nous nous célébrons la Pâque aujourd'hui. C'est ça 1 Corinthiens 5. C'est ça 1 Corinthiens 5. Verset 7 et 8. Le verset 7 et 8. Mais Israël aujourd'hui est impur. Mais Israël est impur. A raté. Il a raté après. Marco célébré. Mais il viendra encore célébrer. La même année. Toujours dans la même année, la Pâque. Dieu bénisse. Amen. C'est très important. Et ça dit parce qu'elle va te mener, que le salaire va vous sommes les gens. Parce que ce qui vérifie les gens, Tamoate a tani jour de vengeance. Lorsqu'il est le jour de la vengeance. Jour de l'éternel. Mon polo. Jour de la tabate mon pour la canda. Jour de vengeance. Il faut écouter l'écriture bien. Tu dois savoir bien regarder les écritures. Je dis dans une psaume 107. En prenant psaume 107. L'écriture des hommes au verset 1er. L'écriture dit ceci au verset 1er. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde dira toujours. Verset 2. Verset 2. Qu'ainsi disent. Les rachetés de l'Éternel. Ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Alors, lentement. La miséricorde dira toujours. Miséricorde. On dit qui doit venir ainsi. Qu'ainsi disent. Les rachetés de l'Éternel. On les a versé deux. Le verset 2. Ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Maintenant, on a posé une question. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que l'ennemi a obéi à la miséricorde? Est-ce que l'ennemi va l'appeler miséricorde? Amen, on dit. Comment est-ce qu'il va l'appeler? Vengeance. Vengeance. Aujourd'hui, psaume 106. Vous prenez psaume 106. La manière dont le Seigneur a classé des choses, parce que ces choses sont venues à la montée. Parce que si tu ne veilles pas sur ces choses, l'écriture est dans sa mission. L'écriture nous montre que Israël va être ce qui est bon. On avait appris un chant à Israël. Au matin, au verset 1er, il y a psaume 106. À partir du verset 1er de psaume 106. Louez l'Éternel. Beaucoup d'Israël. Car il est bon. Oui, car sa miséricorde il a toujours. Déjà, tu as vu une réponse dans psaume 107. Déjà, on avait pris la réponse dans psaume 107. Les versets premiers et la deuxième. Les versets premiers et deux. Ce sont les rachetés qui doivent dire ainsi. Et ça dit, si on a mis ce qu'il va le battre. Parce que, va combattre les bons à la mort. Parce qu'on a combattu en la faveur. Devant les ennemis. Devant les ennemis. Baron de Babolo. C'est eux qui doivent dire cela. Qui dira le haut fait de l'Éternel? Dans un verset de psaume 106. Qui publiera toute sa louange? Donc, si on continue psaume 10, donc si tu continues tous ces chapitres, ma délivrance aux âmes, ça va être pour Israël. On rappelle les
Alors il y a une précipita qui fera on a son armée na mer. C'est lui qui précipita fera son armée na mer. Les rachetés doivent répondre. Bah si pour la décennie pas y'a là. C'était la miséricorde de Dieu. Et ça là qui m'a envoyé en Zambé. Maintenant l'ennemi c'est Pharaon. Maintenant l'ennemi c'est Pharaon. Mouvement de Pharaon au même moment. Comment est-ce que Pharaon appellera ce mouvement? Miséricorde. M'a envoyé en Zambé. Vengeance. Et ça dit et tout le monde a mal à ça. Y'a pas de vengeance, c'est ça pas dit. Pour les racheter. Vous pensez que la vengeance c'est pour les racheter? L'éternel a son venger. C'est l'ennemi qui dira que l'éternel est qui venge son peuple. Donc quand le Seigneur va la jour la vengeance. Lorsque le Seigneur vient au jour de la vengeance. Mais vous avez miséricorde pour Israël. C'est ça, miséricorde pour Israël. C'est ça l'équité. La bonne équité. Les racheter diront. Parce qu'on a mis ma colomata. C'est pourquoi la zone au baguette. C'est pourquoi j'ai dit. Ma cause à la délivrer dans l'année. Ma cause à la grâce. Na mouro ya ngolo. Gemelis. Amen. Parce que mon yon se passe que ça prophétie. Parce que ça lit ces choses de tout parce que c'est la prophétie. Vous en prenez le col à ma déconjou sur ma zone à go parce que la 100%. On va apprendre cela comme notre frère qui l'utilise pour la prière. Dans l'église, là, dans leurs églises. Ces gens-ci, au balayé ma psaume. Donc, baïko et baïko, baba n'dzem. 1 Chronique 25, verset 1er, le livre. 1 Chronique 25, verset 1er. 1 Chronique 25, verset 1er. Dit à leur sujet. Et je le vois. Dit ceci. Nous lisons en l'enseignant Jésus-Christ. Amen. David est le chef de l'armée, mis à part pour les services, c'est le fils d'Asaph. David y paye dans la monde à ma pina, batia qui paye ni bana ya Asaph, des mains, ya Emma, et les Jébitou, ya Jébitou, qui prophétisait, oyo masalata ou sakola, en s'accompagnant, na ou sakola, de la harpe, na lindanda, des lits, na lutte, des cymbales, na ma cymbale. Donc, dans le moment là, la psaume, lorsque tu vois le psaume, ce sont des prophéties. Isaïe dit ça. C'est 1 Chronique 25 qui témoigne. C'est 1 Chronique 25 qui le témoigne. Ils étaient des prophètes. Asalaka, Asaïma. Ema. La Jébitou. Jébitou. Amonio, Soran, Abisa, Kore. Asaïti, ce sont des prophètes. Asalaka, Asaïm. Zona, Mama. Nous suivons tous. On y va avec l'écriture. Où est l'écriture? Mais ça est 1 Chronique 25, le verset 1er. Donne-lui 1 Chronique 25, le verset 1er. Prophétiser à Salaki ou Sakola. À mon compte, et ça dit aussi David. C'est comme si tu prends David. À son de la harpe, il joue à la harpe. À son de la sur les bords des fleuves de Babylone. Pémeni ya maman ya Babylone. Nous étions assis. Ils sont au Fandaka. Ils ont attendu passer. Et ça dit Pémeni. Nous plairions. Tout Salaka, Kolena. À nous souvenant de si. Nakokani Saka, si on a. Si tu veux savoir, David est dans quel temps dans son temps? Il est dans le temps de son Babel. Il y a pas âgé. Le temps du prophète âgé. Les débonnés en état. C'est ce genre, c'est là où. Et ça, parce qu'il va vous dire Babylone. Il prend les gens de la captivité. Et alors, il va vous dire Babylone. Il provenait de Babylone. C'est tant d'anciens réguliers. C'est tant d'être de Jésus. Assez la zone qui va t'aider. Il entre de dans la vie. Nous plairions. Donc, les lacas. Mais quand il jouait cela dans la barre, il commandait les salinités. Cette situation n'était pas encore accomplie. Ils étaient des prophètes. Asalaka et Asakoli. David était prophète. David et Asalaka et Asakoli. C'est très important. Les amis ont tout à coller. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais tes amis le mazamènent. Osée, acte des apôtres. Acte des apôtres. Dans mon jour, le Kamoazambe. Lorsque tu parles des choses de Dieu, verset 29, acte 2, acte chapitre 2, verset 29 à 30, verset 29 et 30, enfin, en
qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Dans verset 30, comme il était prophète. La Bible était prophète. C'est un verset. Quand il chantait, il prophétisait. Il annonçait beaucoup de choses à venir. Dans ce cantique. C'est très important. Mais ça dit pour tout pour que Dieu nous bénisse. Ça n'a pas pour la vie. Donc c'est que tous ceux qui ne vont comprendre. Donc nous allons comprendre que la Kadesh Barnea. Le Seigneur a dit ça comme quoi? Le Seigneur leur avait dit. À cause à la 40 ans dans le désert. Et qui feront 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que ma homme de guerre m'a possible. Qui ont été battu tout ma possible. Marche dans le désert. La marche dans le désert. Dans les bons à la soupe. Lorsqu'il arrivera à la fin. Homme de guerre attend mon quoi pour la soupe. Il n'y aura aucun homme de guerre parmi le peuple. Vous avez un nombre 14. Les hommes de guerre qui étaient dans l'ordre. Il faut passer. Soit exterminé. Maintenant, nous allons découvrir la Deutéronome. Maintenant, nous allons découvrir mon Deutéronome. Parce que Deutéronome est un livre à Souka et à Kokoma et à Moïse. Parce que Deutéronome, c'est le dernier livre que Moïse a écrit. À Zokoma, un mois avant sa mort. Moïse l'écrivait un mois avant qu'il ne meure. Son contact dit Deutéronome. Prenez ici ton nom. En lisant Deutéronome, prenez, on en a déjà parlé. Et tant qu'on va rappeler ma cambouille, lorsqu'il rappelle les choses qui étaient passées, alors ça la mention. Il fait mention ici. Alors, dit dans verset 13, il dit au verset 13, dans 14, il y a Deutéronome 2, verset 13 et 14 de Deutéronome. Maintenant, levez-vous. Si c'est quoi le motel? Et passez les torrents des Zérètes. Nous passons les torrents des Zérètes. Le temps que dirait. Voilà verset 14, il y a Deutéronome 2. Là, le verset 14, c'est Deutéronome 2. Le temps que dirait nos marches. De Kadesh Barnea. On y texte que vous avez dit dans mon nombre 13 dans 14. Vous voyez le texte dans lequel nous étions dans l'ombre. Il y a moi dans Moïse, dans ce côté-là. Et c'est de cela que Moïse parle ici. Alors, le temps que vous m'avez dit, dans le temps que vient le marché, c'est Kadesh Barnea. Et au passage du torrent des Zérètes, fille de 38 ans. Jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre. Il disparut du milieu du camp. Le Seigneur a taïsaki. Le Seigneur avait montré. Pour la montrer, c'est qu'ils n'étaient pas l'effort né au héritier promesse. Le Seigneur a montré que ce n'est pas par l'effort que tu vas hériter la promesse. Parce que terre les ont sa promesse. Oui, tu es ma meilleure, mais c'est vrai que tu as. Oui, la promesse qu'il n'y a pas. La terre qu'il avait promis. Isaac, Jacob. Isaac et Jacob. Il faut qu'ils soient battus, ils soient paqués. Il faut qu'ils prennent tous les hommes de guerre, les hommes forts. Ils sont en casse. Tous les hommes forts. Assis, ça. Ils puissent les exterminer. Pour la volonté que nous avons contre la grâce. Pour montrer que nous entrons dans la terre promise par la grâce. Amen. Il y a quoi exterminer qui va tourner au Seigneur. C'est pourquoi il les avait exterminés tous les hommes. Nous n'avons pas la vie dans nos mains. La même manière dans notre vie, nous dans nos vies. Ma grâce, c'est dans nos terres. Nous n'avons pas la solution. Ce n'est pas par les efforts que Dieu tiendra la solution. Et ça, c'est à Jésus. C'est toujours Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. Lorsque tu te ramènes, ça compris sa solution. Alors tu te donneras la solution. Il y a une vision. Écriture et lui. L'écriture dit ceci. Veillez et priez. C'est cela que ça m'a. Afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Qui l'a dit? Jésus-Christ la parole. Jésus-Christ soit sali le monde. Veillez et priez. C'est cela que ça m'a. Afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Vous ne pouvez pas atteindre la maintenant,
Toi, tu n'aimes pas la prière. Mais nous avons ça la terre, ils sont montés. Mais je te vois là où tu ne pêches pas. Non, vous avez la masse. Non, tu vois les péchés comme nous. Sérieusement. Bon ami. Pourquoi? Il faut la peste à Jésus. Parce que je vais donner raison au Christ et Jésus. Il me dit que tout homme soit reconnu menteur. Ton lien sera tout à ma boucle aussi. Dieu c'est vrai. Ta vie mon coca dans les sols. Pourquoi la vie mon tonneau s'est donné la prière? Tu pêches beaucoup. Pour nous donner cette petite raison. Parce que j'ai une raison à l'écriture de Jésus. Les amours, c'est comme ça. Ma camionneau, c'est là par rapport à l'Ezambalubi. Il faut regarder toutes choses par rapport à la parole de Dieu. Pour homme et maman, parfois dans le mouvement battu, tu peux être emporté par les mouvements des hommes. Mais t'as là l'Ezambalubi. Mais regarde comment est-ce que Dieu. Dans la position. Et Dieu te bénisse. Ça n'a pas mon ami. Et aux oreilles marquées maintenant. Et tu remarques maintenant bien. Dans toutes ces choses. Israël pour le Kadesh Barnea. Israël en quittant Kadesh Barnea. Tu as si ça marche dans le désert. Jusqu'à la fin de sa marche. Et ça l'a traduit. Et cela avait fait 38 ans. Donc on l'entend dans le monde de son Kadesh. Quand le Seigneur avait dit à cet enfant-là dans Kadesh Barnea. Et vous ça 40 ans. Que vous ferez 40 ans. Moïse a contredit les armées. Moïse n'a pas contredit Dieu. Il faut le bas, place on a basalaki na deuxième année. Si j'ai venu à cet endroit-là, Kadesh, c'était déjà leur deuxième année depuis leur sortie de l'Égypte. Amen. Des 38 et s'ajoutent. C'est alors qu'ils s'ajouteront 38. Il est le homme de guerre Nyonso Asila. Jusqu'à ce que tous les hommes de guerre ont été exterminés. Et Israël va prendre ta territoire. Alors Israël doit entrer dans le territoire. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est pourquoi nous disons ceci. Ma belle, ma sauce, la terre qu'il possède, c'est bien que ça m'a belle. C'est bien que c'est une terre naturelle. Mais le Melaka n'a Yesu Christo. Parce que les hommes appelés, les mamènes, ils ont un combo repos. Parce que c'est une terre qu'on appelle du nom de repos. Oh, repos, c'est un jour. Donc, allez, mon père, les amis, mon colon, mon dimanche. Jour à mon combat, on est à la sabbat. Et ce jour-là s'appelle le sabbat. Donc, on dit qu'il m'a appelé, moi, non? Et cette terre. Israël, on va condamner ma repos. Israël entre dans le repos. Donc, il faut le pas. C'est la vie. À continuer là, jour appelé sabbat. Jour appelé sabbat. Oh, David a prometté qu'il arrivait d'un jour. Oh, David avait prophétisé sur l'arrivée d'un jour. Psaume 118. Psaume 118. Avant qu'il a dit, il a commencé par dire, ouvre-moi les portes de la justice. Ouvre-moi. J'entrerai. À partir du verset 21 de psaume 118, j'entrerai na kokotaka et je célébrerai l'Éternel. Maintenant, yokande bazolo. Maintenant, écoute comment on dit. Na bani na verset 20. Le verset 20. 19 même. Le verset 19. Psaume 118. Psaume 118. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ouvrez-moi les portes de la justice. Offre-moi la gaille du coup qui est à moi. Wana Zakolo Bela na sacerdoce qui avant. Là, il parlait du premier sacerdoce. Adignan Sora. Tous ces gens-là. Na ma prophète au Vazaki avant. Et même à tous les prophètes qui étaient avant. Ouvrez-moi. Offre-moi la gaille. J'entrerai. Na Koko Taka. Je louerai l'Éternel. Béna Koko Misadaya.
Maintenant, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les Égyptiens. Nous sommes dans les portes. Parce que tu vois la porte. Il faut louer. Il faut louer l'Éternel. Il y a besoin de Siméon. C'est pourquoi Siméon. Ta porte est hier. Lorsque la porte est venue. À maman ou à Marie. Entre la demeure de Marie. Parce que hier, on a dit dans Jean 10. Parce que lui-même m'avait dit dans Jean 10. Je suis la porte. Là, il a sa vie bouquée. Avec lui, voici la porte. Ta là est bouquée. Par elle. Donc la porte est moi. Comme la porte s'est trouvée. J'étais loué. Parce que tu m'as exaucé. Malheureusement, Siméon le bien. Ses paroles, Siméon, les amours. Lorsqu'il a touché cette porte. Porte-toi là, c'est sali. Cette porte est sali au but comme on dit. Parce que tu m'as sauvé. C'était les paroles de Siméon. Mais ils ont vu ton sang. Salut, que tu as préparé pour Israël. Salut, on a dit dans Jean-Bis. Je suis la porte. J'ai sali écouté. Donc, d'ailleurs, au moment où on a dit dans l'absence de 118. C'est bien si je ne vois qu'on a vécu dans l'absence de 118. Et puis, à la porte. Il a dit qu'il est la porte. La paix à la porte. Il est la porte. À mon Jésus dernier. Comment est-ce qu'il a la pierre qu'on rejetait, c'est qui baptisé. Il va à la porte. Il est la porte. À la pierre. Il est aussi la pierre. Et il est devenu la principale de l'âme. Et comme il y a des contits, pénal et son gars. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et où tu es là, Yahweh? C'est un prodige à nos yeux. Vous savez, mais comment il y a la mission? Je vais pas toi. Écoute ce que tu as. Pierre, écoute cette pierre. Dans verset 24 maintenant. Au verset 24. Dans la maison de Jésus. C'est ici la journée. Que l'Éternel a fait. Oh Yahweh a sali. Donc Dieu a fait une journée. Nous avons sali mon colo. David a David l'avait vu. Une journée en Israël. Et cette journée-là vient. Journée on a cette journée. Quatre les prêts maman. Les quatre les prêts l'avaient vu. On est tard pour dire vers le soir. Lorsqu'ils étaient rendus vers le soir. Dans 2 à 7. Dans les camps des Syriens. À côté de la première tente. Ils sont entrés dans la première tente. Vas-y, ils ont pris les choses et les vêtements. Ils sont sortis. À côté de la deuxième tente. Quand la Bible a mis. Vas-y encore, Biloko. Ils ont pris encore les choses et les vêtements. Parce qu'il faut regarder dans deux tentes. Parce que tu dois manger dans deux tentes. Tu dois manger dans deux tentes. Il faut y avoir l'écriture et l'interprétation. Tu dois manger dans l'écriture et l'interprétation de Dieu. Parce que Paul, dans ma télé, il y a voir Agrippa. Parce qu'il s'est élevé devant Agrippa. Avant qu'il commence d'abord à discourir. Les choses sur lesquelles il s'est élevé Agrippa. Mon compte est Agrippa. Avant que je parle. Pourquoi dire au prophète? On dit ma camita, même à sa folie. Donc, voilà, on est bien, on est bien. Parti aux écritures, on dit ma camarade. Bon, la mina, l'homme. Parce que je veux parler maintenant. C'est la vie de la vie. Oh, la mon homme, l'écriture. Je ne parlerai pas bien. C'est la douleur de l'homme. C'est que moi, je commence à te dire. Est-ce que tu vois, prophète? Est-ce qu'on dit ma camarade? T'as pas sa folie. T'as la famille pour exposer. Lorsqu'il a commencé à exposer, après, par mon égard, il a dit qu'il n'était pas devenir fidèle de l'église. Donc, ton grand savoir, tu en fous maintenant. Pour la vie, non, excellent. Pour la dignité, et ça, ma parole a bon sens. Et ça, il va y avoir un bon sens, ça, mais madame. Parce qu'il faut qu'elle est à l'écriture et l'interprétation. Parce qu'il prêche l'icône, il a dit mon ami. Il y a mon ami, il y a mon ami, il y a mon ami. Mais ils ont fini de manger, c'était la nuit. Donc, maintenant, écoute les deux. Dans des voisins. Cette journée. Mon colo, il y a mouillé. C'était pendant la nuit. Et la nuit, il y a une journée. Mon colo, il y a mouillé. C'est une journée de bonnes nouvelles. Mais ça veut dire mon colo, il y a mouillé à sa bonne madame. Ce qui est au Seigneur, il y a un petit tombeau. Nous attendons jusqu'au matin. Ma mère va être régime.
a dit, il y a 12 heures dans un jour. Un jour n'a-t-il pas 12 heures? Hein? Vous travaillez pendant qu'il est jour. Et là, le jour a déjà. Lorsque le jour est profiter. Profitez pendant. Yéwana, la journée faite par Dieu. Oh,
roi libère la Congo dans les autres. Tu vas déclarer que tu comprends quand on a posé sur toi puisqu'il t'aime. Il te bénit, soyez les amis pour la navale et la nacelle à ma tambe dans la Congo dans les autres. Tout le monde qui vient pour suivre son souffle de Dieu dans les autres. Déclare la foi quand tu t'aimes. Situation qui est et l'église appelle en prière à terre. Les pas plus puissantes que Dieu. Le Dieu qui est en toi est plus fort. Ça va s'aligner à Dieu dans sa vie. Et celui qui est dans les mains. On est comme ça, il y a un qui dit. Allez pas pour ça, la détire. Il ne se lasse pas au péché ce jour. À ça, la papa, il agit à tout le monde. Il m'a posé dans la bataille ici, ma tête. Moi, il ne recule pas. Et l'autre est un peu plus
de lui soumettre tout nos besoins. Alors, il demandez, on vous donnera. Frappez, on vous donnera. Écoutez, on vous donnera. On va vous celui qui cherche trouvera. C'est pourquoi tu vois ça. Que le Seigneur puisse ouvrir les activités de Dieu. Que le Seigneur puisse opérer aussi les grandes choses dans ce monde. Que le Seigneur résolve trop tout. A toucher pénité à la bateau mon sous-sous. Que puisse aussi toucher les cœurs des hommes. Que ceux qui viennent soient convertis. Surtout, il y a mon dit la vision mon âme. C'est là, la conversion est ma âme. Pourquoi est-ce qu'il y a un minimum? Ça secouer la ville. Que le Seigneur lui-même secoue la ville. Pour la gloire de son Seigneur. Pour la recouvre à Congolais. Ton Saint-Béli pour la Yango. Prions pour cela. Oh Dieu, grâce Jésus. Saint-Béli pour nous, son puissant. Oh le plus puissant. Et pour le nom. Nous sommes et le mot qu'on a envoyé.